Bien, ensemble. Très bien. Donc au niveau des runes, il est parti sur du flat physique, armure, RM. Bon, c'est du basique, vu qu'il a que des pages de runes de merde en gros. Je vais laisser ça, vu que sinon c'est ça où il y a rien. Ouais, il y a rien. Un petit peu, je sais pas, de PV sur Volibear, c'est très bien. Vous pouvez partir sur ça, vous pouvez partir sur un petit peu d'attaque speed pour aider à clean un petit peu plus facilement la jungle. Donc voilà, c'est un petit conseil pour Volibear. Donc voilà, pour l'instant, on va partir sur ça vu qu'il a que ça. Ça va. Ça très va. Bien. Bon, on va investir au fil on des va, voilà, des on va investir petit à petit sur les runes pour la Missarine. Par contre, au niveau des skins, t'es un pigeon. Quoi. Genre, c'est terrible, t'as deux skins. Mais mec, bah quoi, c'est bien, non? Oui, c'est, ils sont beaux. Ils sont beaux. Bah mec, ça c'était mon main au tout début. Tout sérieux début. Il y a un an. Un an, à peu un près. An. Un an. Et j'avais commencé avec Sky. Sky m'avait dit, tu prends Voli, Red Pot. Tu sais, avec le. Ah, c'était des... à l'époque. Quoi. Voilà, et puis tu fais First Blood, et puis voilà. Donc j'ai fait. Ça se passait bien. Typical. J'ai remis un petit peu d'utilitaire quand même, genre dans les masteries, un petit peu de vitesse de déplacement pour arriver au corps à corps, ça peut ouais, être ouais, pas vas-y, mal. Go. Donc on va faire un truc plutôt étrange. Donc on va faire un genre vitesse d'attaque très bien, un petit peu d'attaque. Donc on prend ça. On ouais. va prendre la vitesse de déplacement, juste la vitesse de déplacement et peut-être un petit peu plus. En général, ça, on peut faire un 9-14-7 en général sur. Enfin 9-14-6 sur. Non, 9-13-7 pardon sur Volibear, ça peut être bien. Donc après, est-ce que le cookie servira? Je ne pense pas. Donc on va faire 3. Est-ce qu'on fait un truc dégueulasse genre 18 défense? Vas-y. Mais. Tout c'est que je veux carry et je vais le faire de toute façon. N'importe quel masterise ou quoi. Réduit sur les monstres. Donc, ouais, voilà, ouais, go, ouais. Pour la jungle, c'est très bien. Ouais, ouais. Donc on fait saigner les monstres pour la jungle, vas-y. C'est très bien. Un petit peu de PV max, toujours bien. Très bien. On réduit les dégâts sur les ralentissements, bien. C'est bien. Donc ensuite, les gars critiques, on s'en fout. Réduit l'efficacité, c'est très bien. Voilà, les dégâts sur les zones. Je fais tellement carry, wesh. On va partir sur quoi? Tellement carry. Donc on est parti sur des runes un petit peu étranges, hein, des maîtrises un petit peu étranges. Bon voilà, c'est pas grave, on va faire des trucs. Okay. Mais mec, ça donc va là, être tu bien vas courir... Oh, c'était limite. Hein. Genre le timing, comme tu as pu le voir, c'était plutôt limite pour les ah maîtrises. Ouais, alors, mais attends. C'est propre, voilà, on a tout prévu, ne vous en faites pas. Donc t'as mis les réseaux sociaux. Quand même. Boss, la chaîne YouTube, hein, les amis, vous pouvez retrouver tout ça quand même sur la chaîne comme YouTube, ça c'est important. Exactement. Quand même. Bon, c'est vrai, quand même, très très important. Ah, il y a Lee Sin en face. Il y a Lee Sin, ça va être compliqué. Il va peut-être essayer de te counter jungle. On voit qu'il y a un train d'amer avec TP qui va certainement essayer de faire quelques décals. En bot lane, on a Leona, Lucian, ça fait très très mal. Mais bon, heureusement, vous avez quand même Caitlyn, Morgane, une lane assez safe. Au niveau de la top lane, ça va se jouer. On est tanky, hein. Kha'Zix, non, Renekton et Tryndamere, non, Renekton devrait pouvoir prendre l'avantage sans trop de difficulté. En mid lane, Kha'Zix. Ils sont partis sur un Kha'Zix alors que le champion est mort en fait. Donc, je comprends pas. Qu'est-ce qui t'arrive à mourir? Qu'est-ce qui arrive à mourir? Ok. Qu'est-ce qu'il fait? Très bien. Voilà, non, mais on va faire les trucs bien. Donc là, bon, Voli, c'est pas. Voli, c'est pas fou, mais ça passe. Ils ont fixé un petit bug sur le Q-spell qui lui permettait de faire des bumps avant. C'était bien ça. Ouais, c'était bien. Genre, ouais, ça non. marche plus ça? Non, ça Putain. Ne marche plus. Donc c'était un bug qui vous pouvait vous permettre de faire un petit flank beaucoup plus loin. Donc prends la machette comme d'habitude pour la jungle. Les 5 popos, la vision trinket. Vision. Ah, vision? Ouais, vision. Ah bon? Vision pour un petit peu secure ta jungle dans les. Ça? Non. Ah, tu veux ça, oui, d'accord. Totem baliseur, pardon. Très bien, bah moi je prends le bleu, mec, moi je scanne. Tu scannes. Déjà ça ouais, de base. Initial, voilà. Ok, c'est bon, tout est bon. Regarde un petit peu tes sorts, donc je t'avouerai qu'avec Volibear, je ne connais pas trop bien le champion. Alors, ça court et ça. Ça flingue. Ça, c'est ça ce que tu le mets au bout de 3 fois ça, et tu lui fais cul de tête. C'est ce que tu mets pour jungle. Ça, c'est pour fear et ça ralentit. Ça ralentit, ouais, c'est bon. Et lui, il est énervé. C'est bon, je vois, donc tu mets ton Z au niveau 1, normal, logique pour farm. Tu gagnes en plus un passif. Moi, je mets le E à chaque fois au début. Pas bon? Mais vraiment? Bah, je sais pas. Comme ça fait peur à la jungle. Et puis je le smite. Parce que quand le mec il me pull là le truc, je mets le E, je me fais pas toucher. Bah souvent après j'ai plus qu'à smiter, il est mort. Et après là j'ai mon Z et je mets mon Z. Non? Mais s'il te pull bien alors. S'il te pull vraiment bien du coup. Ah ok, bon bah ok. Donc si c'est des gros connards. Oui, voilà. Le ouais, Z. T'es en solo queue mon ami. Ça se passe moyen. Très ça bien. Ça se passe moyen. Très donc, bien. Mets le Z. Alors on va regarder un petit truc. Ouais, on a l'air pas mal, on etc. On a l'air pas mal ici. Hein. Okay. Regarde un petit peu au niveau des sorts. Hein, l'utilité des sorts. Donc on va regarder ensemble. Ah pardon. Donc le passif d'abord. Donc, ah ouais. Voilà le passif qui donne. Si vous avez moins de 30% de PV, ça vous permet de régénérer plus rapidement. 30% de PV max directement en 6 secondes. Attention là, directement la Morgana qui se fait attaquer là. Ça a 2 minutes de cooldown. Ça peut vous permettre de bait un petit peu dans les premiers levels. C'est très très bien. Pas mal. Le Q-spell, voilà. Vous commencez à vous mettre à 4 pattes, vous courez plus vite pendant 4 secondes. Et s'il s'approche d'un ennemi, vous allez profiter d'un bonus supplémentaire. Et si jamais vous touchez une personne, bah, vous allez faire un flank, donc un peu à l'image de Singe. Donc très très bon pour gank hein, au final. Sympathique. Le Z passif, ça augmente la vitesse d'attaque de 8% à chaque attaque. On peut le cumuler 3 fois, ça peut faire du 24%. C'est très bon. Et ça fait des dégâts supplémentaires selon les PV qui manquent à la cible. Donc pour jungle, c'est honnêtement très solide le E. Un petit slow, enfin un petit fear. Donc sur les sbires seulement. Donc là voilà, tu vas profiter de la vitesse d'attaque. Attends un petit peu. Vas-y, tu fais ton Z. Oublie pas. Là, je peux. Regarde. Non, t'as joué rien. Pas du tout. Tu sais pas encore. Une dernière auto-attaque maintenant.
Vas-y, ok. Nice. C'est bon. Après, tu mets ton E pour la jungle, level 2, normal. Tu peux effrayer les sbires, fais les loups direct. Fais les loups. Là, là, direct ça, là fais les loups. Ok. T'as pris une pote. Prends une pote. Encore. Ah bon. Ouais, c'est pas grave. Là, mets des autos. Voilà, tu mets les fires. Donc comme ça, tu pourras passer level 3 directement sur, sur ton raid. Et essaye de mettre ton Z vraiment quand ils sont bien low. Ça fera des dégâts supplémentaires sur les sbires. Donc c'est un petit peu mieux. Voilà, ça va. Le fire dure quand même assez longtemps, hein, honnêtement. Ouais. Je connais pas très bien le champion, mais bon, ça devrait aller. Tu fais ton red buff et tu fais la. Ah, bah la c'est pas très compliqué. Voilà. Pour l'instant, c'est tranquille, c'est du basique. C'est de la jungle. Essaye de ward le buff juste au-dessus au cas où, si là. Jamais, ouais, okay. Si jamais Lee Sin vient de gank, mets toujours une ward ici. Parce que ça peut aller très vite. Le Renekton qui est passé. Tu penses que Lee Sin il me défonce la gueule, moi, au tout début ou pas? S'il a son red buff, oui. S'il a son blue buff, ça est compliqué. Essaye de mettre encore quelques autos avant. Vas-y, mets le Z maintenant. Mets le Z, tu mettras le smite ensuite. Ouais, merde. Ça se passe bien, bon. ça se passe bien. Donc voilà, le Q-spell pour aller gank. Là, c'est le moment où tu regardes un petit peu les lanes. Une fois que vous avez le double buff, vous commencez un petit peu à check les lanes. T'as pas fait le dernier lézard. Merde. Donc vous checkez un petit peu les lanes. Oh allez, Alcine, essaye d'arriver. Attention là, le Renekton. Là, faut t'aider. Maintenant, là, le Trinda, tu peux largement le tuer. Donc essaye de mettre ton Q-spell maintenant. C'est pas grave si Lee Sin te voit. Vas-y, rush le Trinda. Ça dure quand même quelques secondes. Tu peux limiter le flash. Voilà. Oh là là! Tu mets une auto, tu prends le first blood. Recule, ça sert à rien. Ah bon. Ça sert à rien. Là, okay. Oh putain! Pas dans ta jungle maintenant. Tu perds pas de temps. GG. First blood, putain! Salen Su qui prend le first blood. Voilà, il est trop solide. Ah merde! Ça se passe bien. Qu'est-ce qui arrive? Il y a Dominion qui m'a fait le petit mouvement au calme. Donc voilà, c'est l'option de petit délire. On va vous le ressortir assez fréquemment ces derniers temps, ces prochains temps. Donc. Voilà, préparez-vous le au calme à chaque kill, ça va se faire donc. Tranquille ma gueule là. Tranquille, alors. Attends, alors. Le mid lane, laisse-le, ça push énormément. Essaye de voir s'il n'y a pas un counter gank possible à faire sur la mid lane. Fais tes loups, hein. fais tes fantômes. Essaye de voir pour un potentiel counter gank parce que ça risque d'arriver sur la mid lane vu comme il push. En bot lane, il n'y a pas trop moyen. Il y a les wards, ils sont assez safe pour le moment. Donc, ouais, ça, puis je vais attendre mon flash et puis bim. Oui, voilà. Donc là pour l'instant ça se passe. Mid lane, maintenant. Il est là. Tu l'as vu, je prends quoi? Je prends le Z, je max le Z moi. Ouais, tu max le Z dans le jungle. Attends un petit peu dans le coin, essaye de bait un petit peu. Essaye de voir si le Kaïs va pas essayer de venir. Le Sin va certainement essayer d'arriver par la jungle mid lane. Ouais, sur, ouais, sur mid lane. Opposé. Essaye de voir, on sait jamais, lorsque la lane push, si jamais il essaye pas de faire un petit. Putain, truc. Mais il peut pas venir là. S'il grid pas un petit peu là, s'il grid un peu, tu le chopes. Là pour l'instant, tu t'empo un peu, c'est pas grave. Si tu ah bon, on peu, attend peu, comme ça là, on attend le jungle. Vas-y. Voilà. Attends, vas-y. Vas-y, go, maintenant. Là, tu vas, c'est très très bon, tu vois. Donc au final, il a eu un petit peu peur. Oh, dommage. Oh là là, lui, qu'est-ce il a fait l'erreur. Oh, la cage qui passe pas. S'il avait mieux mis sa cage, recule maintenant. Il y a beaucoup de sbires. Il faut pas trop trade comme ça. Il faut essayer de reculer. Là, tu vois que tu t'as pas pu l'avoir. Tu recules. Je suis déçu. Si la cage du Swain était bonne, t'aurais pu ramener le Lee Sin un petit peu plus près. Et ça aurait pu être bon. Là, je me casse quoi. Ouais, tu fais tes loups. Ok. Tu fais tes loups, tu back, tu refais ta jungle. Ah bon, je back là après direct. Ouais, ça sert à rien, il y a plus grand chose à faire là. Peut-être sur la bot lane, un petit counter gank possible. Ouais, voilà. Fais les loups, mais bon, ils ont l'information. Ils ont l'information, ils devraient pas mourir normalement. Très bien. Ça devrait le faire. Mais je vais pas là, non. Tu veux tenter un gank au mid? Ouais, je pense qu'il a son dash. Au pire, tu peux tenter. Tu peux tenter, mais c'est vrai que c'est assez. Non, pas, voilà, passe par là. Est-ce qu'il a sa cage? Ça il va reculer. Essaye de voir. Regarde la vie de Lee Sin. Faut que tu regardes quand tu vois Lee Sin là. J'ai pas trop vu sa vie, donc je sais pas trop si tu peux aller counter. Essaye de prendre ce fantôme juste sinon. Essaye de voir. Attends. Voilà. Tente le gank, essaye de prendre ce fantôme. Vas-y, go poulet! Vas-y. Là tu vas. Voilà! Fais tes fantômes, back. Tu faut vraiment pas perdre de temps en général dans la jungle. Essaye vraiment d'optimiser tes déplacements. Tu sais ce que tu dois faire, t'y vas, tu le fais, tu back et ensuite tu prends un petit peu de stuff. Au niveau de la top lane, ça a l'air d'être un petit peu compliqué pour les trucs. Bah, je comprends pas pour. Enfin. C'est pas. Ouais, bon, c'est vrai que c'est. Merde. Bah, pardon! Pardon! Tu l'as vu? Ouais, j'ai vu. Ah, merde. J'ai vu. Et merde. Donc là, ça va, tu t'es encore level 4, bon, c'est pas trop grave. Tu back, essaye de voir si tu peux pas en prendre. En général, sur. Je comprends pas, il se fait défoncer là, le Renek. Pas un Trinda, bon, c'est pas fou. Tu prends ça, tu prends ça. Tu prends du tanking hein, sur Volibear. Ward ou pas? Prends une ward. Essaye de prendre une potion. Attends, juste une petite potion là. Voilà, là, tu peux commencer à bouger. Là, tu peux commencer à bouger sur les lanes. Donc, non, en général, lorsque vous êtes dans la base, vous partez environ à pied, genre vers 28, 29. Peut-être l'aider, non? Gagne du temps. Attends, non, ça devrait aller pour lui. Il va y avoir le blue buff d'ici quelques temps. Donc, positionne-toi plus au niveau de la bot lane. Okay. Là, le blue buff, là, il va apparaître genre vers 7 minutes et quelques. Tu vois qu'il est 6 minutes 40. Tu fais ok, j'ai le temps de faire mes loups. J'ai le temps de faire peut-être la big breath. Et ensuite, je donne le blue à Swain. On gagne du temps. On essaie d'arriver directement au respawn des buffs. Et ça peut être vraiment très bon. Et il faudra que tu prêtes plus attention au déplacement du jungle en général quand il y a. Genre pour les counters et tout. Ouais, pour les counters, etc. Ah, c'est vrai que je fais jamais gaffe à ça. Moi. Ah, non, j'avais smité. Osef. Non, tu peux smite pas maintenant.
On sait jamais. Smite pas mal. Très bien. Non, smite pas moi. Non, on sait jamais sur, sur le blue buff, si jamais il y a un contest ou quoi. Regarde un petit peu sur la mid lane là ce qui se passe. Il y a un TP. Il y a un TP top. Merde. Il devrait s'en sortir. Il a eu. Non, merde il pas a, Il sustain. Ah, il y a un bleu. Ouais, le bleu. Donne-lui. Ping-le. Voilà, c'est bon. La poulet. Ça, il va poulet. Venir le prendre. Voilà, il va venir le prendre. Faut faire attention quand même. Vas-y. Là, tu peux, genre, voilà, tu le mets dans le bush. Tu le mets, enfin, tu le mets, genre, assez loin d'un lycée. Hein, genre, essaye de voir un peu. Là, tu peux smite là, si jamais, voilà. Comme ça, tu fais plus tranquillement. Essaye de prendre quand même l'XP. Hein. Reste à côté pour prendre l'XP. Comme ça, ça te met bien. Attention, se regarde un petit peu sur la botlane, ils ont l'air de s'être fait un petit peu def. Tu prends ton raid, hein. va chercher ton raid. Pour l'instant, il y a 2-0. Je fais pas le truc là, celui-là ça. Non, avez... ça sert pour l'instant. Donc, limite, tu fais tes fantômes, tu prends ton raid et ensuite tu pourras faire de meilleurs ganks. Okay. Un TP de la part du Trindatop, bon, ça va. Bon, ça va, il a l'air de se débrouiller en fait lui. Oui, ça va, ça se passe bien. Oh, il fait sa vie lui, hein. Tranquille. Bon, on est pas mal là. T'es pas mal pour l'instant. C'est pas mal. Bon, on va peut-être falloir que je gank, j'ai bientôt mon flash. J'avoue. Ah, mais en général, les ganks, fais pas ton smite. Hein. Fais pas ton smite, là. Essaye de le garder pour le raid. Tu le feras plus vite du coup. Et tu perdras moins de vie. Donc ça devrait être un petit peu mieux. T'as plus trop de potions. C'est vrai que c'est le problème avec Volibear, je trouve. C'est le sustain en jungle. Je suis pas habitué à jouer des junglers de ce genre là. Mais... moi, je suis un mec genre full sustain, full damage. Mets la ward dessus, on sait jamais s'il vient de gank. Ah ouais, même là, ok. Ouais, toujours. Ah on sait jamais, hein, le positionnement du Lee Sin, sachant qu'on l'a pas vu depuis un petit moment, il aurait très bien pu être dans ta jungle et c'est tout counter. C'est la merde, putain. Il est au top. Regarde un petit peu le top. Bon, ça va. Il vient de passer level 6 aussi. Donc, je sais pas trop sur un 2v2, est-ce que vous pouvez remporter la partie ou pas. Ce serait assez compliqué. Voilà, tu continues à faire ta jungle tranquillement. Voilà, lui, il back. Essaye de récupérer l'XP, essaye de passer level 7. Et ensuite, tu back. Ok, très bien. Donc, tu clean vraiment ta jungle au maximum lorsque tu peux pas réellement gank. Donc c'est vrai que c'est un style de jeu assez passif, ou vous pourrez dire, mais honnêtement c'est ce qui marche en général, sauf si vos lanes perdent trop salement, parce que si vous essayez de faire des ganks et que ça fail, bah en fait juste vous avez perdu la game, donc vaut mieux essayer de jouer un petit peu plus safe, y aller quand il faut. Attention, allez, mais non. Oh mec, oh non, oh là là, un petit peu au corps à corps, c'était vraiment pas fou. Bon, c'est gold, hein, pour rappel, pour ceux qui se poseraient la question. Ouais, elle s'est fait kick, la Morgana, elle va mourir aussi. Ah merde, bon. Ah, il a fait un doublé, quoi. Ouais, il a fait un doublé. Putain. C'est pas trop grave pour l'instant. Tu devrais pouvoir. Après, de toute façon, je vais défoncer, moi, j'ai voulu. Essaye de tenir la botlane s'il push trop. Regarde, vérifie un petit peu la botlane. Non, ça, il devrait pas trop push. Je peux back là. Ouais, back. Ça sert pas grand chose, je pense pas que tu puisses aller les chercher. Ça m'étonnerait que tu puisses. Ouais, c'est chaud. Oh la vache. Il a plus d'ulti. Faut que j'y aille là. Ça. Ouais. Il faut ward au niveau du. Ah, j'ai pas de bot. Prends des potions et des wards. Les potions très importants, les wards. Là, les tops, ce serait peut-être pas le bon choix. Il ferait peut-être le Drake, même s'il est en difficulté. En fait, là, dans ces situations, c'est très compliqué. Sachant que le top laner perd, il a besoin d'aide. Et que si vous y allez, vous risquez un petit peu de perdre l'avantage sur la botlane. Sachant que le Lee Sin aura donné un bon avantage. Merde. Ça va, ça se passe. Il a l'air de bien sustain le coup. Il a maxé le Z. Vas-y, essaye de faire un grand tour, on sait jamais. Non, là, tu as été cramé. J'ai été cramé. Et il a plus de flash, hein. Il a plus de flash. Essaye de voir. Il a plus de flash. Le sun risque de se faire instant, donc c'est le vrai problème que j'ai là. Il faut qu'il arrive à sustain un petit peu. La cache, il ne passe pas. Vas-y. Il a plus de dash, c'est bon là. C'est bon, il a plus de dash. Tu l'as, tu le ralentis. Tu mets des autos. T'étais pas obligé de mettre un tir actuellement. C'est pas grave. Push lane avec lui. Donc, ça, c'est très important le contrôle de lane en général. Bon, là, c'est bon. La lane va arriver sous tour, ok. Va essayer d'aller voir dans sa jungle. Tu vois l'ici là, essaye d'avoir maintenant dans sa jungle, genre les loups. Et je peux pas les top là. Regarde. Le top c'est quand même assez compliqué, c'est un Trinda, mais tu peux tenter. Mec, on l'a le top, on l'a. Coming. S'il a pas de ward, tu peux tenter. Là, il a l'air de reculer. Ouais, il recule. Va faire sa big rest. On sait jamais. Je pense que tu peux le faire. Essaye de ward en dessous. Là. Plus bas. Là. Un petit peu plus bas. Voilà, ici, totalement. Donc pour avoir vraiment une énorme information sur le Lee Sin, pour les déplacements. Regarde, le Lee Sin ça se fight, hein. Regarde là, moi, on a vu le Lee Sin qui s'est fait tuer par le Swain. Cool. Ça part là. Le Swain n'a vraiment pas l'air mauvais. Voilà, tu prends le creep, essaye d'arriver dans le back là du trigger. Genre là. Ouais. Ouais, mais ça peut acheter chaud. Je pense que ça sera pas bon, mais essaye. Ouais. Au pire tu y vas, et si jamais c'est pas bon, tu repars sur tes golems, tranquille. Voilà, il recule. Attends, il a pas l'air de tant reculer que ça. Non, là il a vu. Ouais, il bon, a vu. Ça se voyait, vu le déplacement qu'il a fait. Il est sorti de ton écran, mais il a fait non, c'est bon. Ok, très bien. Il y a un ours, je recule. Donc vas-y, tu vas faire tes golems tranquillement. J'ai envie de le ganker, mais bon. L'XP. Non, tant tu, pis. Tu non. Te calmes. Ah, ok, très bien. Tu te calmes. Très bien. Ok, ok, patron, là, très bien. Le Q-spell, t'aurais pu le mettre sur le gros, t'as vu. Non, le Z aussi. Faut le garder pour le gros. Merde. Faut garder les sorts pour le gros. C'est le petit donne pas énormément d'XP et fait pas spécialement mal. Donc en général, ça va. Donne tout plutôt sur le gros, c'est le premier que tu dois tuer. Putain, la vitesse d'attaque.
C'est masse. Donc le Q-spell pour avoir plus de vitesse de déplacement. Donc c'est très très bien. Attends, je vais aller le voir lui non après là. Ouais, t'as le temps de faire tes walls, je pense. Et si jamais il y a un fight, t'auras le temps d'arriver à pied. Non, c'est bon. Tu devrais pouvoir le faire sans problème. Putain, les damage du loup. Enfin, du loup. De l'ours. Alors. Ça se passe bien. Eh mec, attends, hein, attention là. Essaye de regarder au niveau de la mid lane s'il tente pas une agression ou quoi que ce soit. Bon, alors je suis toujours venu par là, donc je vais venir par là. Ouais, tu peux. Non, t'as raison. T'essayes de le mindfuck un peu. Vas-y. Attends. Bait le dash. C'est bon, là tu vas. Oh, il est fufu. Oh non! Oh non! J'ai niqué la game! Oh, j'ai niqué la game! Je suis désolé. Pardon. Mon mauvais. Non. Merde. Et puis en plus, je vois rien moi. Oh putain, tu m'as donné le cancer, j'étais en train de fermer les yeux. Genre, là, par contre, c'était chaud. Il va mourir. Merde. Vas-y. Non. Oh, merde. Tu peux pas faire ta jungle tranquille. Prends le bleu. Essaye de le tuer. Non, je sais pas, c'est chaud. Tente, on sait jamais. Non, recule. Ouais, recule. Là, je pense que là, il y a le dessin en bas. Ah, j'ai niqué la game. Oh là là, j'ai niqué ma. C'était pas ouf. Oh là, vas-y. Maintenant. Vas-y, ils ont pas la vision, t'arrives dans le back, ping maintenant. Pour qu'ils se déplacent, parce qu'en général ils voient pas très bien. Il a pas vu. Oh go mec. Vas-y, tu l'as. What? Vas-y, là tu l'attrapes. Fais gaffe, t'as ton passif, oublie pas que t'as ton passif, tu peux tanker un peu, tu le croques, GG. T'as ton passif, t'es tranquille, t'as ton passif. La Leona a réussi à s'en sortir, ils sont un petit peu split, t'as tué le carré AD, c'est totalement worse. Le Lucine est au niveau de la top lane, donc va faire le bleu. C'est très bien que tu vas pas te faire counter, à moins que le Kha'Zix vienne, mais fais attention, regarde bien le Kha'Zix là. Essaye de voir, ça va, il se déplace vers sa lane, ça se passe bien. Donc là, tu as vu le Lucine sur le buff, tu sais très bien que tu peux le prendre sans trop de difficulté. Donc essaie un petit peu d'être présent au timing des buffs, c'est vraiment pas mal. Colle un petit peu plus sur le mur pour qu'il puisse mettre ses sorts. Parce que ça n'a pas une énorme portée de sort, Swain. Voilà, ça se passe bien. C'est vrai qu'il faudrait que je sois un petit peu plus rapide. Là, je fais le raid direct ou je peux faire mes. Fais le raid. Faut que tu fasses attention parce qu'il peut très bien te counter en jungle à ce moment de la game. Ah, j'avoue. Donc ça peut être vraiment chaud. Parce que c'est vrai que souvent je knocker moi des buffs. Enfin. Non, c'est très important, les buffs ça donne énormément d'XP. On voit le TP au top qui est pas nécessaire, sachant qu'il y avait le Lee Sin qui était là pour tenir. Il est parti sur un Tiamat, le Trinda, c'est assez étonnant. Je t'avoue que là, je sais pas trop où est Lee Sin. Il était. Ça va, il est encore au top, t'es tranquille. Fais ton red buff. Par contre, là en 2v2, vous perdrez certainement. Ah bon? Ouais, en 2v2, là vous perdez, t'es pas full vie. Donc faut faire gaffe. Essaye d'y aller là maintenant, c'est pas grave. Le Rington a forcé un petit peu le fight. Faut que t'y ailles, t'as pas le choix. C'est chaud, recule. T'as pas full vie. Wait. Recule un instant, t'as beaucoup d'argent sur toi. Ping back pour le Swain, parce que ça risque de revenir sur lui. Ping back, ok, ça va, il a ward, donc c'est bon. Ah, vas-y. Je pense pas qu'il va bait à ce moment-là. Je pense pas que le Trinda va y aller. Essaye de venir par la lane, voilà. Essaye de faire un ninja gank. Là t'es pas cramé, vas-y. Oh, maintenant, Let's go. Laisse se rapprocher. Non. Non, t'aurais dû venir plus Nikki là, tu vois, c'est très compliqué quand même de gank un Trinda. C'est pour ça qu'il faut vraiment réussir à l'avoir. Là voilà, tu back, tu fais les golems, t'es tranquille, regarde sur la mid lane un petit peu ce qui se passe. Ok, ça va, il est level. Je crois qu'il m'a counter hein, le Lee Sin. Tu penses qu'il t'a pris le. Ouais. Oh putain, il est là-bas. Retourne-y maintenant. Quand tu le vois, tu t'y retournes instantanément. Le problème, c'est que là, Lee Sin a vraiment pas l'air mauvais. Oh nice, vas-y, essaie de le ramener sous la tour. Utilise ton ulti, croque-le. Auto-attaque, tu le croques, très bien. Oh là là! Continue à mettre des autos, tu le fais proc le red buff, recule maintenant, recule un peu, recule. Ah oh merde! Je t'avais dit recule un peu. Ah merde! Tôt. Mais c'est pas grave, ça se passe. Donc là, tu vous récupérez double kill sur ça. Bon. C'est bien, c'est très bien. Là, tu back, t'as beaucoup d'argent. Prends des bots. Y'a quoi dans leur équipe? Tu peux faire des moves, regarde un petit peu ce qu'il y a dans leur équipe. Beaucoup de. Ouais, y'a que Leona en contrôle finalement. C'est pas bien fou. Beaucoup de dégâts physiques, hein. Que des dégâts physiques. Bon, je peux prendre. Tabi. Ils ont beaucoup trop de dégâts physiques. Hein. Ils ont Kha'Zix, okay. Trindamer, ils ont. Prends ça. Ils ont Lee Sin. Prends des PV. Prends un Randoin. Là. Tu pars sur un Randoin là. Randoin, ça te permettra vraiment de totalement shut down ce Trindamer. Bonjour. Ça devrait le faire. Ah limite, ouais, non, il est tout seul lui. Ouais, limite ça. Ouais, limite, je t'aurais dit de prendre plutôt l'autre item, la côte de maille, pour vraiment tanker énormément. Les adversaires, parce que là ils ont vraiment que des dégâts physiques, et si tu fais full armure ils devraient plus rien faire. Donc là tu fais un Randoin, tu fais une côte épineuse, et c'est bon. Voilà, et j'ai gagné. T'as gagné le game. T'as totalement gagné. Il a l'air énervé lui là. Essaye de faut qu'il bait un peu, c'est très bon là le bait. En 2v2 je pense que vous devriez pouvoir vous en sortir. Il y a peut-être Caitlyn qui arrive. Non ça va, c'est okay, bien, le placement il est bon, c'est un très bon bait. On va voir si le navire vient, non elle recule, non ça va, recule. Elle y va, c'est terrible hein.
Oh, elle y va. Elle a pas stun, elle a pas stun. Faut aller sur Leona, faut aller sur Leona maintenant. Oh mon dieu. La passe. Oh mon dieu. Oh putain, mais. Mec. Oh mon dieu. Ah bah ouais, mais je m'en doutais, j'avais trop de creep là. Bah ouais. Oh mon dieu. Oh là là. Oh, bah lui, je vais le coup. Ping le Drake maintenant. Maintenant. Ping le Drake, go, vous pouvez le faire sans problème là. Yasuen qui décale aussi, c'est très bon. S'il y a la Caitlyn qui bon, vient, là. N'oublie pas ton smite, regarde les dégâts de ton smite et regarde les PV du Drake. Donc faut que tu fasses très attention à ça parce que l'artificiel ça peut aller très vite. Putain, je vois pas les PV là, putain, je vois pas les PV. 2500, 2400, 2300, 2000, 1700, là tu peux l'avoir là. Ah merde! Oh le smite de merde! C'est pas grave, t'as fait ton Z. Ah si, je l'ai fait. Ah ouais, tu vas. Ah là je peux pas faire ça, bah, encore. Essaye de mettre une ward quand même à gauche. Juste à gauche là tu mets... Non, là ouais. Là tu mets une ward hein, parce que là si Lee Sin vient il te tue hein, faut pas oublier. À ce point là mec, mais genre Lee Sin ça me défonce là comme ça. Mais après, ah non, quoi que, ouais, il a l'air qu'un Bruta, c'est vrai qu'il fait quand même assez mal mais ça va. Mais prends lui juste le gros, barre toi en bot maintenant, voilà, nice. Oh là, t'es déçu la jungle, là il est déçu, il est méga mad là. Essaye d'aller bot pour appuyer un petit peu cette bot lane si jamais. Attention, est-ce qu'ils vont au grid? Il a l'air de grid vraiment. Donc faut que la Kate essaye de bait un peu. Ils ont pas trop d'informations. Non, ça va, il y a la Morgana qui arrive. T'as ton ulti, t'as ton passif. Tu pourrais peut-être les tuer si jamais il y a la Morgana qui vient. C'est chaud. Essaye plutôt de focus le Lucian. Non, c'est bon, vas-y. Leona. Attends. Non, recule, c'est bon, recule. Il y a le. Oh, nice. On le flash. Oh, le Q-spell qui était très bon de sa part. Oh, c'est pas mal. Continue à mettre des autos. Oh, dommage. Là c'est Leona qui tanque, là elle va vraiment tomber là. Allez, une petite auto, oh mon dieu. Pas trop mal ça c'est très bien fait, recule. Oh là, putain, le festival. Ils ont tellement de luck. Oh là, putain, j'en ai pas croqué un, fais chier. C'est dommage, si t'avais pu en croquer un ça aurait été vraiment très bon là. Sur la top lane il a réussi à prendre la tour, va faire la jungle, ensuite tu prends les codes de maille pour avoir genre l'armure, genre réduction de vitesse d'attaque, réduction de vitesse de déplacement, ça peut être très bien. Donc là faut laisser la Caitlyn push là, si elle fait le bon choix elle va push sans problème. Ah bleu, ah merde, tiens, j'ai pas été fiché. Ping le, tranquille. Tu lui dis, il est là ton bleu, viens le prendre. Donc faut essayer de farm un peu plus à la limite parce que genre au final on perd quand même beaucoup de temps. Des fois il y a quelques gangs qui ont été un petit peu fructueux, mais enfin qui n'ont pas été fructueux finalement. Donc c'était pas ouf. Oula, ça va, tu passes level 11. Est-ce que tu peux faire ton red buff qui va arriver d'ici pas longtemps? Fais tes loups. Là je peux là non hein. Fais tes loups, tu back, tu feras ton red buff tranquille. Et ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Ouais. Là, le Lucine va arriver sur son blue buff. Putain, les dégâts que je lui mets déjà au truc là. Ah oui, non, c'est Volibear de toute façon, c'est pas mal fort. Tu peux pas y aller au red buff là? Non. Tu peux, vas-y. De toute façon, la Lucine est sur son blue buff. Je pense pas qu'il pense à venir te counter actuellement. Il est quoi? Il est 11, ouais, moi aussi. Bon, très bien. Il va avoir dessus toujours, hein, on sait jamais. Ah oui, c'est vrai. Toujours. Parce que genre un petit sneaky Lucine, ça fait très mal. Et ça peut marcher à tous les niveaux, donc c'est pour ça. Je vois pas, putain. Ça va. Il reste 1200, 1100. Ça, tu devrais pouvoir l'avoir. Le smite, tu prends le red buff et ensuite tu back. Tu vas prendre un petit peu plus d'armure, tu vas partir sur l'item pour le rendant là. Et là, ça se passe bien pour l'instant pour toi. Ça va. Lardon, ça caille. Bon, j'ai fait de la merde quand même là, le gank mid et bot là à un moment. Bon, à ce qui paraît, j'ai pas les yeux au milieu des trous quoi. Oui, mais c'est pas fou. Sur quoi tu peux partir? Sur un petit peu genre limite, prends un cristal de rubis, ça te servira toujours et ça te donne des PV. Et prends une ward, limite tu aurais pu prendre une pink. Les pinks c'est vraiment très bien aussi pour pouvoir essayer de garder de l'information sur toute la map pendant une très longue période hein, si vous avez l'avantage. Ah merde. Donc ça peut se passer, attention quand même. Il a tenté quelque chose, il a l'air de tenter quelque chose. Oh merde, il a fail totalement. Il régène un peu, oh putain, il va le def, il va tuer le Kha'Zix. Ouais, non, viens là. Oh dommage. Ah merde, bon tant pis. Il va se barrer, essaye de le choper, essaye de mettre quelques autos. Là on sait qu'il a plus le cooldown là, Ah ça va, il va reculer. Oh les dégâts! Tu vas pas le tuer. Mais j'en mets l'UZ au moins. Voilà. Je pense que t'aurais pas pu tuer, honnêtement, c'était assez compliqué. T'aurais peut-être pu tenter, à la limite un peu plus. Je m'attendais pas à ce que tu mettes autant de dégâts. C'est vrai que bon, ça fait assez mal, mais bon. Tu sécures la tour. Parce qu'on sait jamais, un petit war trick ça peut arriver très vite. Tu resterais un petit peu kite sous la tour. Trinda. Et derrière, tu perds le kill. Enfin, tu perds ton red buff. Tu perds le kill, etc. C'est vraiment très compliqué. C'est un petit peu risqué. Là, on a plus joué Trinda. Il a pas de charge. Il a pas de charge sur son passif. Tape-le. Tant qu'il a pas de charge sur son passif, tape-le. Et ensuite, recule. Là, tu mets un Z. Tu lui mets un Z, tu recules. Voilà, c'est bon. Il va pas te dive tranquillement. Essaye d'aller chercher un petit peu ta jungle. Ouais, d'accord. C'est pas trop mal. Eh, je suis content là, dis donc là. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est pas mal. T'es pas mal pour l'instant. Je vais peut-être monter plate, les mecs. Je vous le dis direct. Un jour.
Un jour. Ouais, quand, quand tu réussiras tes cuspides. Ah, tout de suite, putain. Quand tu arrêteras putain. De ramener des sbires. Ah là là. Bon, après, on va jouer à FIFA. T'inquiète, là, ça va être autre chose. Là, je te mets la fessée. Non, non, mec, faut qu'on continue notre truc là. On continue notre série de 8 en chacun. Oh, tu t'es fait counter, pas mal. Putain, fais chier. Regarde au niveau de la botlane, là, on voit Lee Sin qui est là. Putain, je suis pas assez rapide quoi. Tu check un petit peu. Il est là. Level 13. Essaye de mettre un counter gank, on sait jamais. Je sais qu'en 2v2, vous gagnez largement. En 2v2, là, avec le Swain qui est big, là, vous gagnez. Il a quoi le Swain lui là? Ah, il est 6-2. Ah oui, merde. Viens là. Par contre, il a. Putain, mais qu'est-ce qu'il fait, Maurice là? Il a pas de Zhonya encore, malheureusement. Ah, si la Zhonya, il aurait dû Zhonya l'argent plutôt. Oh, ça va. Oh là là! Décale de Morgana, vas-y. Oh, t'aurais dû continuer instant, là faut recul. Recule instant, fa push. Fais gaffe, il y a Lucian en bot, il y a la Luna. Va sur Lucian. Non, recule, cours moins. Non, il y a tout le monde sur toi. T'as ton Q-spell pour courir plus vite, oublie pas. Vas-y, là, vas-y, retourne-toi maintenant. Alors! Alors! Tape-le, vas-y. Auto-attaque, continue, chase. Oh, putain de merde, la chatte! Tu devrais le rattraper, la Luna est morte, donc c'est bon, il a pas mal sustain là. Mais bon. Oh non, barre-toi. Ok, ça va, il y avait quand même Renekton, mais genre, il y avait quand même Trinda, donc t'avais plus trop de PV, t'avais encore ton passif quand même. Donc ça peut permettre de bait, c'est vrai que c'est pas un champion que je maîtrise vraiment. Là, je pense que t'aurais pu y aller, mais genre avec un champion normal qui a aussi peu de PV, je me suis dit. Oh, la chatte! Vaut mieux pas. Vous groupez, vous pêchez, vous êtes tranquille. Le Lucian est level 10, votre Caitlyn est level 12, votre midlaner est level 15, leur midlaner est level 13 ou 14, je sais pas exactement. Ça se passe bien. Donc voilà, ça se passe très bien. Ah, Drake, donc très bien idée. Joué aussi. Le Drake, faut le timer aussi. À chaque fois que tu fais un Drake, essaye de le timer. Ok, là Lucine. Vous le tuez. T'as ton passif. Continue de taper. Croque le René. Ah merde. Le c'est pas grave. Tu lui mets les dégâts qu'il faut. Oh, allez. Donc là, ça fait du combien? Ça fait du 2 points, il me semble. Hein. Regarde un petit peu. 2 points. Ouais, nice. Bon, là, il vaut mieux pas push. Go Drake, tout simplement. Drake. Go Drake. Non, parce que là vous allez perdre beaucoup trop de vie. Drake. Ping le Drake en masse. Là les gars, please. Et c'est bon, là vous y allez tranquillement. Utilise pas ton smite, oublie pas de regarder les PV du Drake. Ah ouais. Je suis à combien là? 720. 720, bon. T'es tranquille. Ok. Ça se passe. Merde, putain, il a l'air vénère. Oula, il avait l'air énervé. Non, faites pas le Drake. Faites pas le Drake, reculez instant. Waouh. Là vous pouvez y aller, alors lui là. Oh dommage. Oh la chatte. Dommage. Oh la vache. Continue, vas-y maintenant, t'as pas le choix, essaye de l'attraper lui. Allez, je pouvais pas, putain. C'est pas grave, il va l'avoir quand même. Donc ça fait du 3 pour 3 au final. Il a quand même récupéré une assist, tu vas prendre des PV encore. Sur quoi tu pourrais partir là? Ça? Non, une bullshit, ça fait pas grand chose. Il faut un peu plus de PV. Je te conseillerais limite de partir genre sur. Là, tu reprends de l'armure, ton cristal du rubis, t'en feras quelque chose plus tard. Ça ouais, full armure. De toute façon, là, t'es tranquille. Leur équipe est full AD. Donc, oui, c'est vrai quoi. La mer, Kha'Zix, tu prends full armure, tu prends une côté pineuse, et là, ils vont se tuer sur toi en fait. Donc, c'est vrai. Ouais, ça va être pas mal. Et puis, on va se marrer. Ouais, très bien. On va voir. Est-ce qu'il est en train de faire le Drake solo? Il est en train de faire le Drake. Ouais, il est décomplexé le bordel. Attention, est-ce qu'il va réussir à le tuer? Attends, regarde la Morgana là. Est-ce qu'elle va pas tenter? Morgana! Elle a pas son ulti. Morgana! Il va lui mettre la fatigue. La cage qui est très bonne là. Les auto-attaques. Allez! Les auto-attaques, le Sinker qui vient de pop. Allez! Oh, il a eu. Il a quand même eu le Drake, donc c'est worse pour eux, mais il est quand même mort, donc ça va. Tu lui ping le blue buff, il va se ramener le Swain qui est level 16, hein, qui joue très très bien honnêtement là pour l'instant. Il est vraiment bien là. Tu le croques, ça se passe bien. Voilà. Tu fais tes trucs. Mais attends, il me prend toute ma. En top, c'est bon, il a un petit level d'avance. Il commence à avoir de l'armure. Là, regarde un petit peu le stuff de Renekton. Il est parti sur quoi? Il est parti sur une côte de maille. Il a un tabi aussi. Ouais. Enfin, il a une Sunfire. Ça devrait bien se passer. Eh, ça joue pas mal, hein? Quand même. Ça joue pas mal. Parce que je me souviens, quand tu m'avais coaché la dernière fois, mec, j'étais Silver. C'est vrai. Tu te souviens quand même? Ouais. Quand même. Là, bon. Regarde au top. Ouais, ok. Putain, la Morgana, elle a la dalle. Elle a mis son ulti, elle va prendre beaucoup de dégâts. Non, red, check. Arrête. Ouais, okay, ça sert à rien de faire ça. Attends, va voir si tu peux pas attraper le Trinda. Décale. Oh, merde. Oh putain, ça va être chaud. Là, faut que tu ailles. Là, c'est bon. Kha'Zix, tu focuses le Kha'Zix. Le Kha'Zix a plus rien. Le Kha'Zix a plus de dash. Il a son invi. Il va certainement essayer de le brain. Ça va, il y a Caitlyn derrière. Vas-y. T'as failli récupérer l'assist. Ça a failli être worse. Déçu. Non, moi je voulais le. Regarde au bot le Swain là. Ah oui, d'accord. Ça va, il y a un V3 le mec quand même. Ça va, hein? Ah oui, ça se passe bien. Donc laisse-le lui, tranquille. Prends au moins l'XP, voilà, tu passes level 14. Va prendre ensuite les fantômes, prends la jungle. Oh là 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 là, le Swain, putain, ouais, d'accord. Le Swain est beaucoup trop chaud là. Bon, moi je suis content de lui avoir laissé le mid. Hein. J'avoue que là, ça va. Franchement, ça se passe bien. Ça va. Ça va, ouais. Puis bon, je l'ai carry en jungle, y'a pas de problème. C'est, voilà. T'as pas trop été au mid, hein? T'as plutôt été top.
T'as fait un petit truc bot aussi, c'était pas mal. Mais au niveau de la mid lane, il a vraiment très bien joué tout seul. Lui, je le tue quoi, putain, je vais tellement le tuer. Le heal qui a été claqué de la part de la quête, peut-être pas nécessaire. Trindade, c'est un champion qui a quand même un ulti. Voilà, essaie d'aller voir au niveau de la jungle. Elle va se faire défoncer. Ce que tu peux prendre, mets noir dans le dessous, mets noir dans le dessous. Va se faire défoncer, voilà. Vas-y, là, t'as pas le choix, putain, là, faut que tu ailles. Elle a fait de la merde, elle a fait de la merde. C'était de la merde ce qu'elle vient de faire. Alors, t'es mort. Ça va, t'as réussi à le tuer, tranquille. Tu vois, c'était de la merde ça. Oh là 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 là. Il y a no ult. Continue de push. Essaye de push plutôt le mid lane. Là, push plutôt la mid lane que la SBR plutôt que sa jungle. Ce sera beaucoup plus avantageux pour toi. Donc, surtout pour ta team aussi, ça mettra un petit peu une pression sur la mid lane. Essaye de voir au niveau des lanes toujours. Hein. Toujours en général quand vous jouez. Essayez de check les lanes, comment ça se passe. Mettre la pression au mid quand ça push au top, quand ça push au bot. C'est très très bon. Donc là, c'est ce qu'il est en train de faire. Donc ça se passe assez bien. La Luna, laisse tomber. Tu la tueras pas. C'est quand même Luna. C'est quand même assez tanky. Donc ça va. Alors. Qu'est-ce qui se passe? Top ça. Ah. Recule. Il va certainement essayer de te mettre quelques dégâts, mais son ça va, t'es au même level que lui. Essaye d'aller voir sur le raid de Lee Sin, on sait jamais. Même si ça m'étonnerait énormément. Va pas trader un Kha'Zix. Hein. Ah bon un Kha'Zix. Non. Je le défonce moi. Non, mec. Dirige-toi plutôt vers la jungle bot. Parce que là, va appuyer le Swain dans son top lane là. Je vois pas trop ce qu'ils peuvent faire. Non, ils peuvent rien faire là. T'aurais dû aller directement sur le raid. Donc t'aurais été tranquille. J'avoue, ouais. Le raid, là, t'aurais été genre 2v1 sur le, contre le Lucian. Et ça aurait pu faire quelque chose, voilà, tu continues à push. Le Shen il sait très bien qu'il peut rien faire contre lui. Le double dash, l'ulti de la part de Morgana, c'est très très safe. Pour l'instant c'est très très secure. Bonjour. Et tu push, là par contre ça avait été là avant. Je pense que vous auriez pu déjà faire tomber la tour. Donc écoute-moi. Ah merde. Voilà, tu prends la tour. Derrière regarde un petit peu au niveau de la jungle, on voit qu'il y a le Trinda top. Il y a le Kha'Zix qui est au mid, il y a Morgana, ok, donc ça c'est ta team. Le Shen solo, il peut pas défendre. Vous pouvez l'avoir, essaye pas d'aller tuer. Sécure l'inhib au calme. Qu'est-ce qu'il fait? Ok, donc lui il est mort. Ah non, il est pas mort encore. Il est pas mort. Vous pouvez avoir l'inhib. L'inhib là, si vous pouvez l'avoir là, c'est très bon. Recule maintenant, instant. Au revoir. Le raid. Le Renekton qui TP top très bien pour protéger un petit peu le split push vitrine de la mer. Ça se passe. On prend le raid ou pas alors là quand même? Ouais, non? Osef, ou je viens là? Prends le. Ta team fait le taf pour l'instant. Donc ça va, tu counter un petit peu jungle. Tu peux acheter du stuff là. Je pense même que tu peux acheter ta côte de maille. Ils ont pris la tour. Essaye d'aller voir. Regarde au mid maintenant. Ils ont disengage, c'est bon. Vas-y, tu prends la jungle. Au revoir. Bah, caché de côte de maille, et là, tu pourras faire le malin. Tu pourras danser devant. Attention, regarde là, vas-y, go maintenant. Le Kha'Zix. Tu t'es fait kick, c'est pas grave, ça se passe, ralentis-les. Donc là, il va mourir. Oh. Essaye d'aller chercher lui aussi, hein. Essaye d'aller chercher, t'es tranquille. Oublie pas ton endoin. Allez. Ton endoin. Là, allez. Tu le croques. Allez. Mais putain! Tape à côté encore, voilà. Je peux pas taper avec tes sous-ulti, oublie pas que ça met du splat damage. Hein. Voilà, Léona, c'est pas grave, le Lucian tu peux pas l'avoir, vas-y, go! Mets-toi devant quand même les culings, hein. Voilà, tu le ralentis, tu le ramènes. Passe, et voilà! Tu prends l'inhib, non, par contre, prends pas les dégâts. Mais si, je prends les dégâts, mec, moi je protège ma team, qu'est-ce qu'il y a? Okay. prenez l'inhib. Donc là, pour l'instant, la game se passe bien, le Swain qui push, bon, je vois pas trop ce qu'il peut faire actuellement. Donc ton passif qui vient de proc là. Pas trop grave, il vient de proc sur les sbires. Pourquoi il a ouais. Ah ouais, il a proc sur les sbires. Oh, ça fait chier ça par contre. Ça fait chier, mais bon, c'est pas trop grave. Vu comment vous gagnez là actuellement, ça va. Allez, ça va. À moi ça. Ah, tu peux back. Ah bon, ça back. Sert pas grand chose. Là, vous avez beaucoup de gold. Les lanes vont push. Essayez d'enfoncer le top à la limite si vous voulez jouer safe. Si vous voulez pas jouer safe, bah vous faites comme le Swain. Hein. Genre, tu push au mid et bon, tu fais des dégâts. Bon, de toute façon, j'ai l'impression qu'il va falloir y aller de toute façon. Il a récupéré son dash. Il s'est fait stun, hein. Il s'est fait route. Allez, là, il ralentit. Le E, tu ralentis, tu le ramènes. Tu le croques, hop, tu le défonces, voilà. 7-9, ça se passe bien. Ok, là c'est un peu YOLO mode là. Là c'est un peu YOLO c'est mode. C'est un peu YOLO mode. Attention. Vas-y, essaye de le ramener. Là tu le ramènes. C'est le bon moment. Oh, comme ça va. Tu tankes, t'as pas ton passif, mais c'est pas grave. Oublie pas ton endroit pour essayer de ralentir un peu. Donc pas trop mal. Oh là là. Recule, tu le voulais pas. Oh, quoique, il va l'avoir. Il l'a. Oh là là. Là je pense que vous pouvez finir. Tellement mad. Finir la game. Ah, il est où Trinda là? Trindal, je pense que lui il s'est dit bon, de toute façon mon équipe sert à rien, je vais push. Au final il y a un crocodile qui a bien défendu. Donc là une Bim. Bonne game pour toi, une bonne game. Bim, alors un petit 8 de 11, ça se passe bien. Vas-y grid et allez faites plaisir. Là c'est le moment. Ah l'assaut. C'est l'instant fun là. À moi. Non, t'aurais dû. Non. Oh merde. Ace. Oh fromage. Donc là tu peux finir. Ah le Kha'Zix, vas-y, tant qu'à faire, du grid encore, hein, des kills. Tu le défonces. Merde. Nice. Bon, déçu. Voilà, tu push, attends. À moi. Oh. Oh merde. Bim. Alors ah, bien joué. Putain, le lardon carry quoi, quand même. Un bon score, honnêtement, je sais pas genre ton score là, mais il était propre. Eh. Là, il était propre ton score. Quand même. Là, t'as fait un petit plus 22 points, 8 de 13. T'es très bien dans ta game, t'es très bien. Cherche-toi, bien. Check.
Allez, beaucoup trop fort, allez, c'est Sarenz, voilà. Donc j'espère en tout cas que vous avez apprécié cette petite séance coaching. Donc c'était le premier qu'on avait fait depuis. Bah, c'est le premier qu'on a fait depuis. En fait, on en a fait un quand j'étais arrivé chez Eclipsia, donc en novembre. Ouais, je crois. Gros, que c'est c'était vrai. Genre la première fois, on est arrivé, j'ai fait un coaching à Sarenz, ça s'était bien passé. Deuxième coaching depuis, donc peut-être 8 mois après. La montée versus le plat. Ça se passe allez, bien. Donc GG à toi, Sarenz. N'oubliez pas que si vous êtes en train de regarder cette vidéo sur YouTube, bah, vous pouvez cliquer sur tous les liens dans la description et sur les petites annotations qu'il y aura un petit peu partout sur. Écran, donc je suis en train de taper. Et ça. Pendant qu'on est en train de tout péter, voilà, pendant qu'on est en train de tout péter, pour ceux sur le live, bah voilà, bah faites-vous plaisir. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à envoyer un maximum de retours, que ce soit sur Twitter ou sur Facebook, sur ces réseaux sociaux. Donc le papy Sarenz, donc Twitter Sarenz Official, un délire du genre, et sur Facebook, ça doit être un petit peu le même délire, non? C'est Sarenz CC2, je crois. Sarenz CC2 et voilà. Sarenz Official sur Twitter, voilà, évidemment, encore une fois. Official, quoi, parce qu'il y a trop de fake. Ou la chaîne LRB et Sarenz, bah oui, bah au bout d'un moment, enfin, faut protéger sa réputation. Donc, ouais, je comprends. Voilà. Il y a toujours ce fameux problème, tu l'as aussi, donc ouais, bon, normalement t'as mis Alabé Official Man. Ou le, il a un site, c'est le Roi Baiser, et là bim, et là au bout d'un moment, tu te calmes. T'as mis Copyright 2014, encore une fois. Mais évidemment, rejoignez-nous les amis si cela vous plaît. Et pour nous, pour la suite, hein, évidemment, ouais, deuxième partie. Voilà. Deuxième partie de folie, donc on vous en dit pas plus, on vous dira ça juste après la pub. Donc ne quittez pas, on se retrouve juste après, à tout de suite. Tout de suite. Alors, là-bas.